Eh bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va se battre contre l'Atlético, on a le match aller et retour donc pour ces demi-finales. Et j'ai vu aussi pour que Salzbourg, en fait on peut avoir maintenant la coupe, donc le Streichlatsche Copal. Donc ils l'ont ajouté ce matin, donc c'est sympa. Je sais pas si je pourrais l'avoir, mais dans tous les cas c'est au mois de février. Donc vu que le mercato se finit en fin du mois de janvier et que c'est en février, donc c'est un peu dommage. Donc pour l'instant bon, c'est pas trop grave, mais il aurait pu le mettre avant quoi. Mais bon, c'est pas grave. Allez, c'est parti pour le match face à l'Atlético. Et on est parti pour ce match face à l'Atlético. Ouais, bon tacle, hein, il lui a pris le ballon. La petite passe et le tacle. Ouais, il efface bien. Eriksen. Dolberg. Et oui, il marque à la 78e minute. Ça pourrait peut-être punir cette équipe de l'Atlético, même si on a eu, on a essayé d'avoir des occasions, mais on n'a jamais pu tirer au but. Contrairement à eux qui ont eu peut-être un tir, mais je crois pas qu'il soit cadré. En tout cas, c'est 13 égalités en termes de possession. Et après, bah, oh là là, magnifique. Magnifique, pied gauche, jeu de pied, on a fait croire qu'on est tiré à gauche, alors finalement on est tiré à droite, il y en a un qui est choqué, allez, 1-0, il a taclé mais il a sauté, du coup il a pas pu garder le ballon, avec Camara, avec maintenant Dolberg qui arrive à éliminer tout le monde, et 2-0, le but de Dolberg, le doublé pour Kasper Dolberg. Il peut peut-être donner cette victoire aux Rangers. Et la passe de Eriksen qui a trompé le gardien. Petersen, la frappée. Ouh, l'arrêt de Jan Oblak. Et c'est fini ce match. 2-0. Mais la compétition n'est pas encore finie. Et loin de l'être. Car ce ne sont que les phases aller des demi. Et le gros boulot sera à faire pour le match retour. Allez, on part pour le prochain match. Allez, face au Mobile World Sporting. Qui part à la fin de la saison. Adji. Isaac. Avec Adji. Adji. Allez, Isaac, le but! Oh là 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 là, le 33e but pour Isaac. Il ouvre le score. Quel joueur! Et Isaac qui est le meilleur buteur actuel et qui va sûrement le finir. Et LG, bon bah là il a vu que il pouvait pas. L'angle était fermé, il y avait deux défenseurs derrière lui. Et Isaac qui s'est donné pour faire cette tête. Bon après il est tombé, il s'est fait écraser par tout le monde. Pour marquer le 1-0. Allez, Isaac, et oui, 2-0. De toute façon, je vais pas mettre... Ah bah non, c'est vrai, attendez, il n'y a pas la musique depuis tout à l'heure. Ah non, c'est vrai. Ah bah si, c'est bon, il y a la musique. C'est juste que j'ai oublié de changer entre les Rangers et Salzbourg. Ah, c'est pas grave. Allez, Isaac, le but. À 90e minute. Et on va gagner le match. Ah oui, c'est vrai, c'est que j'ai juste oublié de changer musique. Ah, c'est pas très grave. Dans tous les cas, il y a une musique. C'est ce qui compte. Je vais régler ça. Allez, on va pouvoir passer au prochain match. Je sais pas si c'est l'Atlético, mais normalement, je crois que oui. Allez. C'est parti. Les demi-finales. On avait gagné 2-0, on le rappelle, au match aller. Et on avait pas dominé, mais on était plutôt égalité. Sur le terrain et sur le papier. Allez, c'est parti. C'est fini. 0-0. Match très équilibré. Et je pense qu'on aurait pu marquer largement, mais j'ai mis quelques jeunes. Du coup, c'était un peu plus compliqué. Mais waouh. Ah, il y a qu'un... En fait, il n'y a qu'un arrêt. C'est Oblak.
Il n'y a rien eu d'autre. Un match vide, quoi. Mais en vrai, c'était pas si mal que ça. Et de l'autre côté, c'est City qui mène 3-0 pour l'instant. Enfin, qui a gagné ce match 3-0. Et le match retour, ce sera un peu plus compliqué pour l'une des deux équipes. Donc, je sais pas laquelle, mais en tout cas, United, pour l'instant, qui a été énorme dans cette compétition. Donc, on va bien voir s'ils font encore une fois une remontada. Et on va partir pour le match de championnat. On va se finir cette vidéo avec 3 matchs de championnat et cette fois c'est Aberdeen. Rentre dedans. Attention, il y a peut-être hors-jeu. Oh là là. Le but d'Aberdeen, ouais, c'est un peu n'importe quoi depuis tout à l'heure là. Il y a des pertes de balles, il y a des impressions de hors-jeu, c'est du n'importe quoi. Il va falloir qu'on règle ça vite fait. Après c'est la fin de saison mais... Cosgrove qui marque, ça me plaît pas du tout. Magnusson qui n'attendait que ça. Et Isak, oui, il marque ce but, Isak. Cette fois on a la bonne musique. Et ça y est, on marque. Ça fait du bien. Tellement de mal à marquer. Et la frappe sèche. Oh là là. Quelle frappe. Pour enlever la toile d'araignée, quasiment. 39e minute, 35e but pour Alexander Isak. Avec Isak. 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 Et oui. On passe devant. Au retour de la mi-temps. On marque. Et le doublé de Isak. Qu'est-ce qu'il est efficace ce joueur. L'accélération. Et la petite frappe. En puissance. Pour tromper le gardien. Il s'attendait une frappe enroulée. Il a même pas eu le temps de réagir. Et la frappe. De Isak. Pour le 2-1. Bertelsen. Ça va être dégagé. Cosgrove qui est tout seul face au gardien. Mais non. La réaction. La réaction de Aberdeen. 2-2. On a fait la remontada. Mais ouais. Avec la fatigue, Pierre qui ne peut rien faire. C'est pour ça que l'année prochaine, on essaiera de faire un recrutement défensif. Là, ils sont trop vieux, surtout que Pierre normalement part en retraite à la fin de la saison. Voilà. Kent. Kent le centre. Pandelberg. Deux fois, trois fois, quatre fois et cinq fois penalty. Penalty. Et Dolberg qui est à terre. Et peut-être un carton pour lui. Non, pas de carton. Plus que 2 minutes. Oui, attention à ne pas trop provoquer l'arbitre maintenant. Hein. Kent qui va tirer à terre. Et oui, on repasse devant à la toute dernière minute. Le but de Kent sur penalty. Le stade s'enflamme. Il s'enflamme. Kent pour marquer le but délibérateur sur penalty. Il tire à terre. Et oui, il est battu. Il est allé à gauche. J'ai tiré à droite. Et voilà, on doit être trompé encore. De toute façon, on va finir le match ensemble. Là. Il reste que ça peine une minute. Je vous rappelle le score, hein, 3 buts à 2 maintenant. Ouais, il faut rester concentré, c'est fini. C'est fini, mais quel match. On se fait ouvrir le score, on revient, on repasse devant, ils égalisent. Et à la toute dernière minute, penalty. Et magnifique, magnifique. Les 3 points. Alors qu'on a plus de 10 points d'avance, un truc comme ça. Donc franchement, là, on est déterminé. Et on va passer au prochain match. C'est encore du championnat. Et le dernier match de cette vidéo, ce sera face au Celtic. Allez.
avant-dernier match. Ce match, c'est face à Hibernian. Encore et toujours. Un match de championnat. Ça va pas être drôle. Avec Camara. Qui va essayer de marquer. Et le but 1-0. Et franchement, là, on s'amuse. Hein. On fait tourner. On peut faire n'importe quoi. C'est facile. C'est des matchs pour du beurre, tu vois. Donc, franchement, là, c'est facile. Hein. Il court même pas. Hein. Là, techniquement, il marche. Vous entendez les bruits, c'est mal, c'est parce que j'ai faim. Et 1-0. Oh là, et ces passes là, c'est pas ouf. Camara, passe à Sarlotte. Le ballon est perdu pour tout le monde, là. Sarlotte, ah oui, magnifique. 2-0 face à Hibernian. Et Sarlotte, qui va tranquillement, il a juste à courir. Et la frappe lourde pour que le gardien ne puisse pas l'arrêter. Le temps réglementaire est terminé. Allez, attention. Ça va être fini bientôt. Ça va être... Enfin, en vrai, là, c'est facile, tu vois. Hop, voilà. Ah, contre-favorable. Et Christian Zut qui l'arrête, voilà. Si vous avez un gardien, franchement, pas besoin de s'inquiéter. Allez, c'est gagné. Et on va passer au match face au Celtic. On espère bien sûr gagner, pourquoi pas ce match. Et puis finir en beauté. Ou alors égalité, puis on ferait un 100 points pile. Parce qu'on est à 96, donc là on est à 99. Et on va pas passer face à cette équipe du Celtic. Le premier contre le deuxième. C'est comme d'habitude, hein, le Celtic. Et en vrai, ce serait bien si on pouvait faire égalité, comme ça on atteindrait les 100 points pile. Avec Kier. Seiberg. Adji, il saquait devant tout seul, juste avant la mi-temps. 1-0, c'est le but de Isaac. Alors que Burnson qui a eu quelques occasions. Et les commentateurs qui s'enflamment pour rien. Hein. Franchement, là, c'est un derby, hein, mais pour moi, c'est comme si c'était le match du Bernien d'avant, quoi. Mais on a l'habitude de marquer comme ça, donc à force, on a l'habitude. Allez, 1-0. Ah là là, mouche. Attention, Gudmundsson. La passe, et Sorensen, il doit y aller. Sorensen, pourquoi? Mais non! Ah là là, 1-1. Sorensen qui est sorti, la mauvaise sortie de Sorensen. Et à la 50e minute, le Celtic qui revient. L'égalisation. Et ils sont contents de revenir. Oh là 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 là. Pourquoi il est sorti aussi vite? Il n'y avait personne. Pourquoi il s'énerve, c'est lui qui fait l'erreur. Sorensen. Il n'y avait aucun danger en plus. Hein. But partout. Et on joue ici depuis 77 minutes. Merci et merci pour l'info. Adji. La passe pour Isaac. Isaac, qui a de la puissance. Isaac. Isaac, il peut marquer. Eh oui, 80e minute. On passe devant. Et le Celtic qui tombe. Ouh. Allez, supporters et les joueurs sont contents, c'est normal. Isaac qui fait encore une fois le boulot. Malgré qu'il soit complètement fatigué. Ah, de la droite, de la gauche, de la gauche vers la droite, ça ne change rien, il est tout aussi bon. Des deux côtés et dans cet exercice. Allez, 80e minute. Le tacle. Attention, plus que quelques secondes à jouer, il faut dégager et ça passe au-dessus. Hors jeu. Et carton jaune pour Adji. Et c'est fini. C'est fini. Les 3 points. Oh là là, le derby qui est gagné
par Maldé. Allez, on peut applaudir. Grand match. Grand match. 2-1. On a failli marquer, ils ont failli marquer à la dernière seconde. Je me suis dit, oh, ça semble, ils vont marquer pour avoir un point. Et du coup, je pourrais avoir les 100 points pile, mais non. Du coup, ils ont tenu. Et tant mieux pour eux. Hop, alors. Superbe performance de la part de Isaac, c'est vrai. Hop. Après, on a deux finales, mais ce serait pour la prochaine vidéo. Il y aura deux finales, et après, bah, c'est tout. On n'aura que deux matchs. Mais j'espère qu'on sera en forme pour ça. Et on va finir ça déjà. Alors, votre équipe avait marqué le but décisif. On va mettre ça pour que tout le monde soit content. Qu'est-ce que vous pensez de ce match ? On a fait un bon match, on a fait un beau match. Le prochain match, c'est face à Ross County. Du coup, ben, on va entraîner ceux-là. Voilà. Hop. Et après, on ira voir ce qui s'est passé en Ligue des Champions et en Ligue Europa. Et après, on se dira simplement au revoir. Et on se donnera rendez-vous pour ces deux finales très importantes. Un jeune Serbien. Nielsen, tiens. Alors, c'est lui. Alors, 18 ans. Ouais, mais... Bon, on va le prendre. Ah. Actuellement pleine. Ah, malheureusement, on va devoir le laisser partir si... Ah, je peux pas le... Bon, on va voir après. Olsen. Ok, lui aussi, il a l'air d'être bon. Lewis convoité. Clayton Lewis. Ok. Bon, ça c'est encore c'est pas grave. De grands matchs nous attendent pour Abrahamson. Camara, etc. Voilà. En gros, on a une bonne équipe. Je pense que je vais faire une... Ou alors celle-là. Puis après, pour la finale, on prendra ça. Enfin, de toute façon, on verra. Du coup, on va aller voir. Alors... On a la finale face à Ross County en Coupe d'Écosse. On a en Ligue des Champions, on se bat contre Manchester City. Oui, ils ont fait 0-0 comme nous, mais eux, ils avaient gagné 3-0 à l'aller. Mais bon, au final, ça change rien. Ils sont passés quand même face à United. C'est vrai, nous, on avait éliminé Caen et Le Havre était en Ligue Europa. Donc, on va voir tout de suite ce qui s'est passé. En Ligue Europa, voilà. Et voilà. C'est ce que j'avais vu. Donc, Le Havre est passé 5-1 face à l'OL. Et le Paris Saint-Germain a gagné 4-2 face à Milan. Donc, franchement, c'est un gros match. Qui va attendre cette Ligue Europa, cette finale de Ligue Europa en plus. Le Havre face au Paris Saint-Germain. Ça risque d'être électrique. Et nous, encore plus. Face à une équipe... qu'on connaît bien en termes, enfin dans la vraie vie quoi. Mais après, je parle pas au nom du club. Moi, je connais bien cette équipe parce qu'on a fait, on a déjà fait une carrière dessus. Mais en vrai, il y a un gros potentiel et nous, on pourrait essayer de gagner face à cette équipe, même si ça va être compliqué. Bon allez, on peut se laisser là. N'hésitez pas bien sûr à mettre un petit pouce bleu, un commentaire, à partager cette vidéo, à vous abonner et bien sûr, comme d'habitude, la petite cloche qui fait toujours plaisir. Allez. A plus tout le monde.